rebonjour pour YouTube. On continue et on va voir. Est-ce que. Je sais pas, est-ce qu'il va manger? Ouais. Ah oui, ah ouais, quand même là. Bon, il faut bien placer la tête, hein, j'ai l'impression. J'y arrive pas spécialement. Ok. Ok, mais c'est assez instantanément. Ça. Et l'avantage, c'est que tout ça, ça va se mettre. D'ailleurs, j'ai l'impression d'en avoir beaucoup plus. Tourne-toi, tourne-toi. J'ai l'impression d'en avoir beaucoup plus. Je peux pas voir son inventaire à lui. Quand je suis sur lui, je peux pas voir son inventaire. Ouais, casse ça, c'est bon. En fait, il faut juste. Voilà, ok. Mais pour de vrai, je peux pas voir son inventaire. Ok, bon, non, c'est pas ça que je veux faire. Hop, accéder à son inventaire, on va voir, ça, ça va se remplir super vite sur le coup. Combien il peut porter d'ailleurs? Poids 285, c'est assez énorme. Je vais lui mettre, tiens, je vais lui mettre les pierres que j'ai sur moi. J'ai pas mal de viande avariée d'ailleurs. J'ai beaucoup de viande sur moi. Essayer de le stacker le plus possible. Viande de poisson, c'est sûr, ça en fait pas mal. Voilà, on peut voir qu'il récupère quand même relativement vite tout ce qu'il y a autour. Voilà, juste, ouais, tu peux pas te tourner un peu. Ouais, marche arrière, parfait. Donc voilà, avec un petit carnot à côté comme ça, bon, ça sera mieux un raptor, quelque chose du genre. Mais juste déjà, voilà, comme ça, on va s'entendre qu'il est assez efficace pour ramasser. Salut, ok, parfait, ben, bonne rediff sur le coup. Bonne rediff de Factory. Je perds ma voix d'ailleurs. On a quand même pas mal avancé hier sur Factory. Hop. Hop. Finir de manger ça tranquillement. Voilà. Hop. Parfait. Ça se ramasse quand même plutôt bien. On va se le dire là. Une quinzaine pour chaque bouchée qu'il fait. Bon là c'était juste 4. Juste pour me dire le contraire. Mais voilà, une quinzaine encore. Je sais pas, il peut sûrement pas ramasser de pierre. Non, faut pas exagérer. Mais là, sa stamina reste au max. Il mange, je suppose qu'il doit manger en continu parce qu'il mange des baies, l'air de rien. Donc les baies, c'est pas le truc le plus nourrissant au monde. D'ailleurs, moi, je peux manger un petit peu aussi. Mais au moins, ça permet vraiment. Ça permet vraiment un nettoyage avancé, on va dire. On ramasse deux fois plus vite si on regarde. Ah ouais, direct prochain niveau, on va descendre, tiens. Voilà. Mon inventaire. J'ai eu un niveau, mais j'ai pas eu de. Ok, c'est étrange. Niveau 15, je pense. Voilà. Non. Ah non, je suis niveau 13. Ok, je voyais 14 points d'un gramme en fait. Alors, je pensais que j'étais niveau 15, mais non. D'ailleurs, un truc que j'ai pas pensé, accéder à l'inventaire. Voilà, on peut voir l'inventaire qui se remplit assez vite. On va lui dire toi, je te rends juste pour le poids. C'est vraiment pas d'autre utilité que ça. Oh, gesticule pas trop. Ça, on va jeter. Ça me sert à rien d'avoir du charbon de bois pour l'instant. Je récupère mes pierres parce que c'est mes munitions en fait. C'est mes cailloux à lancer. Donc, je vais les garder. J'aimerais pouvoir aller me chercher un trissé quelque part. Donc, on va explorer un petit peu avec lui tranquillement. Maintenant qu'on peut quand même qu'on peut quand même pas mal plus vite se déplacer, on va dire. Faudra peut-être que je améliore un peu l'endurance, mais on verra plus tard. Il est très bas niveau, donc ça va être assez rapide à l'avancer normalement. Normalement. Oh, il y a des petites ruines ici. Un petit dodo. Ouais. Est-ce que je passe ici? Ok. Oh oh! J'ai découvert le saumon. Le saber-tooth saumon. Qui est un saumon, hein, on va se le dire. Hein, voilà. Qui est un gros saumon. Et donc voilà. Premier dossier sur le saumon découvert. D'accord. Là il y a Scorchert aussi. Parfait, parfait. Donc il y a eu déjà des explorateurs. Et nous en fait on est derrière. On passe derrière eux et on découvre des trucs. Ok. Moi je vais augmenter maintenant ma. Mon feu, je sais pas, peut-être énergie un petit peu et qu'est-ce que je peux augmenter? Ouais, je sais pas, j'ai augmenté ouais, l'énergie encore. On est niveau 14, donc on peut pas encore faire
pas mal plus. Ah non. Est-ce qu'on vient de passer niveau? Ouais, on vient de passer niveau 15. Ok, c'est ça. On vient d'obtenir plein de niveaux d'un seul coup. Donc, on était à peu près là. Donc là, on peut faire les pantalons cuir qui seront mieux, l'arc, les flèches. Je pense pas qu'on puisse encore faire les selles de Patchy. J'ai aucune idée, c'est quoi? Celles de Raptor. Tuyau, intersection, composteur. D'accord. Des mangeoires. Ça, je pense que ça va être les flèches narcotiques. Répulsif à insectes. Mais un arc, ça sera bien une fois qu'on pourra faire les flèches, vraiment les flèches paralysantes. Voilà, les flèches narcotiques. Pour l'instant, peut-être cette armure sera utile, mais je vais pas me la faire tout de suite. On est en déplacement. Alors, c'est pas vraiment le moment de le faire. Continuer à se déplacer tranquillement. Hop, non. J'aimerais pouvoir bouger la tête sans en fait qu'il tourne, forcément. Comme ça. Mais il faut s'arrêter sur le coup pour le faire. Pourquoi nouveau? Tu te moques de moi ou quoi? Un autre niveau? Non, ok, c'est ça. Il fait juste qu'il me rappelle nouveau niveau disponible. Je sais pas, c'est quoi le truc en fait, ça? J'ai aucune idée, c'est quoi? Ouais, non, ça c'est bolasse, mais je sais pas en fait. C'est quoi, est-ce que je gagne plus d'XP pendant 500 secondes là? Alors, supprimer. Je perds des petits trucs qui pourrissent tranquillement, mais c'est pas un souci. Un petit dino de ce côté-là. Ah, c'est vraiment une nouvelle région qu'on explore hein, tranquillement. Ok, une petite tortue. Que je sorte ma map. Ok, comment je fais pour regarder ma map? Ah, voilà. Hop. Petite map apparaît. Ouais, on est rendu. Je vois à peu près où on est sur le coup. Mais bon, c'est pas hyper clair, mais on va continuer. On va continuer par là. Hop. Ah, un trissé. Voilà. Enfin un trissé. On va essayer de le capturer donc. Tranquillement. On va être gentil avec lui. L'avoir, il faut une quinzaine de. Bonjour. Bonjour, vous allez bien? Oui. Alors si toi t'es sur attaquer la cible. Ouais, pas vraiment. Non, je suis désolé de te le dire. Mais t'es pas là pour ça. Changer comportement en neutre, changer comportement en passif, voilà, et là normalement tu n'agis pas et tu vas juste. Ok, ça c'est bon. Au palais. Là il charge par contre. Oh, tu te calmes un peu. Au palais. Au palais. Mais ah, décale-toi. C'est quand même pas toi qui va me causer ma mort là. Si? Peut-être. Oh merde. Là, je vais mourir si ça continue. Tu veux sérieusement m'attaquer, toi? Et tu vas. Ah ouais, il fait quand même mal, hein. Bon, allez, on va courir un petit peu là. Essayer de pas mourir. Allez, viens, 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 viens. Allez, mange-le. Voilà. Allez, mange-le complètement là. Bon, j'ai pas l'impression qu'il veut ramasser la bouffe. Par contre, mais ça s'est pas très bien passé, on va dire. Et 8, 8, 8, voilà. Hop. Bon, alors il y a encore le trissé à rattraper là. Mais ça s'est pas super bien passé. On va attendre que la nourriture remonte un peu. Elle, on va pas lui dire de nous suivre sur le coup. Ça sera mieux pour elle. Hop. On va laisser de ce côté-là, je pense. Accéder à l'inventaire. S'assurer qu'elle a largement tout. On va lui augmenter encore le poids, je pense. Poids. Hop. Ouais, elle s'amuse à bouger, hein. Énergie, tiens, après combien de niveaux sur le coup? Quand même beaucoup, on va lui augmenter un petit coup en santé, un autre coup en énergie et un autre coup en poids, tiens. Voilà. Voilà, ça c'est bon. On va lui laisser tout ce qu'elle a là pour l'instant. C'est pas vraiment un souci. Ouais, il faut lui dire par contre de ne pas nous suivre. Non.
désactiver suivre. Voilà, faut juste rester ici. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres. Par contre, là, il va faire nuit. Et nuit, c'est pas top. C'est pas top du tout. Et là, en fait, c'est tellement ouvert, j'avais de la difficulté à le semer ou à le. Ou à tourner autour ou quoi que ce soit. Est-ce que je peux lui lancer des bolasses? C'est ça la question aussi. Est-ce que les bolasses vont marcher? Ça m'étonnerait, hein. Ok, c'est bon, je cours. Ouais, c'est bon, on a compris. Ouais, ok, ok, gentil. Ok, on saute. Hop. Ah, il faut tourner en rond, hein. Yay, yay. Hop là, je veux pas mourir ici. Allez. Laisse-moi remonter. Ouais, c'est bon, on a compris. On a compris. Ouais, lâche-moi. Lâche-moi, arrête de me faire caca dessus. Tu m'auras pas. Non, mais c'est tendu avec eux, en fait. Hein. C'est pas... fou. Je suis pas capable de les avoir, c'est incroyable. Je sais pas quand... Ah, le gros caca. En plus, là, il y en a un autre en arrière. Un caca, quel poids, ça? 1,5 kg. Allez, pas de soucis. Mais c'est ça, je sais pas, en fait. Est-ce qu'on peut voir, en plus... Attends. Si on va ici. Si je me fais... Est-ce que je peux me faire le... Les lunettes. Longue vue, il me faut... Ah ouais, des cristaux, j'ai aucune idée où on les a, ça. Parce que je sais pas, en fait... On peut pas voir leur torpeur, sur le coup. Et là, à part... Est-ce que je pourrais courir entre ce rocher? Ouais, ça, ça passe. Faut utiliser notre environnement à notre avantage. Ouais, voilà, ça c'est bon. Ok, on se recule. Là, il commence à faire légèrement nuit, par contre, on va plus rien voir. Hop là. Ah, là, il fait bien mal, par contre. Il est pas très content. Pas très content. Ok, par contre, il a l'air coincé. Il a l'air coincé, ça c'est bon. Allez, tombe. Il est censé tomber plutôt vite. Je sais pas exactement c'est quoi son niveau. On va pas trop se rapprocher pour l'instant. Et je pense que bon, il reçoit moins de dommages sur la tête, mais au moins ça l'empêche de partir. En tout cas, jusqu'à maintenant. Ok, là par contre, j'ai super faim, donc on va manger. Hop là. Hop là. Elle tombe. Ah ouais, merde. Lance-flamme est cassé. Est-ce que je peux le réparer? Non, pas de soucis, hein, en plein combat. Moi, je fais ça souvent. Ah, il me faut du bois, par contre. T'es sérieux, j'ai pas de bois. Sid, est-ce que t'as du bois? Bon, dans ton inventaire. Dans ton inventaire, ouais, t'as du bois. C'est n'importe quoi, c'est en plein combat, le gars il s'en va. Ah, oh, je vais réparer mon lance-pierre. Allez, réparation, réparation. Ah, pendant ce temps-là, sa torpeur redescend, hein, alors c'est pas bon. Voilà, tombe. Pourquoi est-ce qu'on peut pas voir sa torpeur? Allez. Tu vas arrêter de fuir. Il est où? Là, je... Ah! Est-ce qu'il serait tombé là? Inconscient, parfait. Attends, mais tu pouvais pas aller à une meilleure place, hein? Narcotique et. Allez, j'ai rien d'autre par contre. Alors, lui forcer. Tiens, prends ça.
forcer une utilisation. Commence à manger, toi. Attends, la place où il s'est arrêté, lui, il est bien gentil, hein. Tout pour nous aider. Moi, je veux qu'on devienne amis, c'est tout. Lui, il a de la difficulté à l'accepter, ça. Alors, moi, c'est bien. On a la petite torche en même temps. Ça, c'est bien agréable. On va pas mourir de froid. Enfin, normalement, on mourra pas de froid. Il est, non. Il est là, je pense. Voilà. Bim. Sur le coin, en fait, il s'est enfui. Et je pense que sa torpeur a fini d'augmenter quand il était... quand il partait, donc, il est tombé ben voilà, sur le côté, sur le coup. Ce qui est un peu spécial. Ouais, attends, laisse-moi monter. Voilà. Ok, il mange tranquillement. Il faut... Ah non, j'ai oublié d'aller chercher B par contre. Ouais, il faut ses B préférés. Non, je veux pas monter sur toi, merci Pierre. Ok, alors je veux ses méjoberries. On va lui sortir des azules, des... on va lui sortir de tout en fait. Arrête de crier, hein. Appelle pas tes amis là. Je te donne tes B favorites. Alors tu manges ça. Et tu dis plus rien. Voilà, azuleberry, voilà. Mange tranquillement. Pas de soucis, on va le forcer l'utilisation d'une autre au cas où, on sait jamais. Voilà. Donc là, tranquillement, on va le faire manger. Plus qu'à attendre. Normalement, on a largement assez de nourriture pour lui. On a notre petit cid à côté. On a notre triceraptor qui est là. Je sais pas comment on va l'appeler. Hein. Sur le coup, on verra. Hop. Narcoberry qui font tranquillement effet. Moi c'est bon, j'ai l'impression que le live est plus fluide que tantôt. Ouais, le processeur est descendu. Bon, je sais honnêtement, il faudra voir si la qualité vidéo est aussi bonne pour YouTube ensuite. Normalement, Twitch a rien changé, mais ça devrait être correct, je pense. Je pense pas qu'il y aura de grosses différences. Alors, il faut juste attendre. Je sais pas combien de temps il va prendre par contre avant d'être prêt. Est-ce que je pourrais me fabriquer quelque chose sur le côté? Ouais, moi je peux pas me faire grand chose en même temps par contre. Je peux me faire des petites bolasses par contre. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre pour en faire? Ouais, il me faut tout par contre que j'ai pas. Donc on va attendre un peu. On va peut-être se réparer ça ici. Ah, je peux pas le réparer parce qu'il me faut des silex. Ouais, exactement. Mon lance-pierre, il me reste pas beaucoup de balles hein, sur le coup. Ça, c'est pas passé loin encore. C'était n'importe quoi d'aller le réparer en plein milieu du combat. Mais ça, passé, faut croire. Est-ce que je le force à en prendre un autre? Ouais, sur le coup, ça remonte hyper vite. Hein, mais on va le garder proche de 100%. En plus, elle est juste niveau 4. On a Cid qui est un mâle. On va avoir une femelle trissée. Mais ils sont vraiment pas au niveau. Bon, c'est sûr, c'est les premiers. Hein, avec eux, ensuite, on va pouvoir farmer beaucoup plus. On va pouvoir s'améliorer beaucoup plus rapidement, à mon avis. Plus, avec un petit carnivore à la maison, on devrait avoir pas mal moins de risques. D'attaque et de se faire tout manger, et ça devrait être correct. Commencer à voir une vraie, un vrai petit groupe. Là, j'ai plus de munitions, c'est correct. Ok, on va retourner à côté. Et là, en plus, c'est la nuit, alors je sais pas vraiment trop quoi faire d'autre. J'ai vraiment beaucoup de nourriture hein, aussi. Voilà, on va juste essayer d'utiliser un peu les stocks. J'ai pas beaucoup de nourriture pour moi-même, par contre, et il faut que je mange. Si t'as pas un peu de nourriture pour moi. Ouais, t'as largement de quoi. Tiens, je te prends ça. Voilà. Là, c'est avec le bouton 9 et on peut manger en bonne quantité. Voilà, une vingtaine de baies, 25 même. Ça fait le travail. La preuve, tranquillement, il avance. On va l'avoir, hein, c'est certain maintenant. Maintenant qu'il s'est fait attraper, c'est fini pour lui. Je sais pas s'il y a quoi que ce soit qu'on pourrait vraiment essayer de récupérer de ce côté. J'enlève la lampe, on voit plus rien. Moi, il n'y a pas de créature ici. Hop, on va essayer de casser ça. Bon, là, désolé, vous voyez plus rien. Je vois plus rien non plus. Mais voilà, au moins ça permet de ramasser un petit peu pendant ce temps-là. Au moins, ça me fait des silex. Alors, donc, je vais pouvoir réparer mes trucs. Voilà, un peu de pierre. Voilà. Allez, remets la torche. Parfait. Alors, est-ce que t'as froid toi? Je sais pas s'ils peuvent avoir froid vraiment. Accéder à l'inventaire. Poids, non, il a l'air très correct. Il y a un peu d'armure, il a pas grand chose, mais il y a quand même beaucoup de vie, beaucoup d'énergie. Donc pour lui, ça devrait pas être un problème le combat. Hop. Ah, remonter. Ah, voilà.
en haut. Ici, tranquillement, il est correct encore. On va lui donner peut-être une autre narcotique sur le coup. Il est en train de manger ce méjobéric tranquillement. Moi, je vais me réparer tout ça. Comment ça, je peux pas le réparer? Je peux le réparer. Voilà. Je pensais qu'il me disait que je pouvais pas. Réparer la torche. Voilà. Donc, ensuite, ça, ok. Je me demandais ce qui se passait. Excusez-moi, en fait j'avais une méjobéry, ce que c'est une méjobéry, je sais même pas si c'est leur nom, Amarberry, qui venait de disparaître. Je me demandais pourquoi. Bon, en fait, c'est simplement parce que bah, elle était plus bonne. Hop, on va en manger quelques-unes supplémentaires. Ça monte tellement lentement la nourriture. Regarde, hein, je viens de manger une dizaine de baies, ça monte super lentement. Les baies, c'est pas un truc fait pour manger très vite. Voilà, on va vite manger ça. Point en gramme. On en a quand même beaucoup. Ça serait peut-être le temps de regarder pendant qu'on attend. Porte en chaume. D'ailleurs, ça, c'est vrai que je n'ai pas encore fait. Donc, on va la prendre. Une selle ici. Je sais pas si on peut encore avoir la selle. Non, je pense pas qu'on puisse l'avoir, la nouvelle selle encore. Celle de Patchy, c'est pas ça qu'on veut. Celle de Raptor, c'est pas ça. Je pense que c'est niveau 20 la selle qu'on veut. Je pense que ça doit être elle. Quelque chose du genre. Le bois, cadre de trappe, réservoir d'eau. C'est pas très utile pour nous pour l'instant. Composteur, parachute, activez-le pour ralentir votre chute lorsque vous tombez. Ça peut être utile. L'arc, je pense que je vais le prendre quand même. Voilà. L'arc, ça coûte. Voilà. Ça coûte 11 points quand même au final pour juste l'arc. Mais ça vaut le coup. Les pantalons, ça on va le prendre. Nouveau pantalon, ça vaut à mon avis le coup. Ensuite. C'est pas certain qu'on va les utiliser tout de suite, on verra. Je sais pas si je peux les faire, hein. C'est ça le truc à chaque fois. Est-ce que je peux les faire tout de suite? Toi, tu vas plutôt bien. 250, nouveau. Et il lui en faut, hein, quand même. Il lui en faut des trucs pour rester, on va dire, correct. On va manger quelques baies de plus. On va regarder, est-ce que je peux faire ces pantalons? Alors, pantalon en cuir, non, il faut quand même 25 pots, 45 pots pour faire les deux. Mais en tant que tel, l'armure va être de passe, va être deux fois plus haute. Et je pense que la durabilité est pas mal plus haute aussi. Par contre, la protection contre la chaleur est pas géniale. Ce qui est à considérer, mais honnêtement, on l'a fait. Hein. Je pense que c'est trop tard pour faire demi-tour là-dessus. J'ai dépensé plein de points pour les avoir. On va les faire. L'arc ici, il faut quand même beaucoup de bois. 15 de bois, non, c'est pas beaucoup. Laissez faire. Dégâts de larmes, 100%. Ça, ah, c'est lui qui mange. Je me demandais c'était quoi le bruit. Je sais pas exactement. En fait, comment est-ce qu'on fait pour comparer en fait les dégâts entre ça et une pierre? De toute façon, la pierre est faite pour assommer plutôt. Ça va être pour tuer. Donc, je pense pas qu'on puisse vraiment le comparer. Par contre, la prochaine flèche, qui sera la flèche d'ailleurs, si je vais voir, qui sera la flèche narco, on passe de, par exemple, pour le triceratops qu'on était en train de faire, niveau 4, il doit se ressembler à 25 coups de massue, 11 coups de slingshot, voilà, de lance-pierre. Bon, nous, c'était plus une vingtaine facile, hein, mais voilà. Et ensuite, ça serait 3 flèches tranquillisantes. Donc, on voit la réduction quand même de temps, elle est énorme. 3 flèches tranquillisantes, ça se tire super vite. Ensuite, 2 flèches tranquillisantes par l'arbalète. Ensuite, c'est 2 fléchettes tranquillisantes. Et ensuite, c'est un dard de choc tranquillisant. Ok, donc un meilleur dard encore. Qui ont l'air super puissants ces dards-là. Ouais. En tout cas, ça c'est bon. Hop, j'ai pas envie de taper personne. On se calme. Ouais, il mange tranquillement. Il est en train de se repaître. Sa vie continue à monter. Bon. Par contre, il est pas rapide, hein. Il va prendre toute la nuit à faire, si c'est pas plus. Au moins une fois que ça sera la journée, on pourra recommencer à bouger un petit peu. Pour l'instant, pas trop. J'ai pas envie de m'éloigner trop loin. Surtout qu'il n'y a pas vraiment de plantes. Alors, il est mieux d'avoir assez de nourriture avec tout ce que je lui ai déjà donné parce que j'en ai pas une tonne de plus. Ça serait un peu énervant de devoir partir à la chasse en plein milieu de la nuit comme ça pour aller chercher un petit peu de nourriture à gauche, à droite. Mais au moins avec ces deux-là, on commence à être bon. On a trois dinos. Bon, trois une fois que celui-là sera fini. Parasaur comme monture. Triceraptor qui permettra. Ouais, je ne sais pas exactement ce qu'il va faire. Ce qui est très bon pour chercher de la nourriture
une fois qu'on a les une fois qu'on a le comment dire, une fois qu'on a sa selle, hein, parce que sinon c'est, je sais pas comment lui donner l'ordre d'aller chercher la nourriture, mais une fois qu'on a sa selle, c'est très facile. Mais sinon voilà. Voilà, ça c'est bon. Du coup, il arrête pas de faire des gros caca. 1,5 kg. Ici, il y a un gros dino aussi. Voilà, c'est notre petite herbivore. Ici, il n'y a pas grand-chose. Sauf qu'il y a des petits dinos pas très agréables ici tantôt. Donc, je vais pas trop m'y aventurer. De ce côté-là. Voilà, c'est vraiment des. C'est pas la place la plus agréable, hein, je pense, pour mettre une base. C'est joli, ça a un style. Pierre bien détruite. Mais en tant que tel, c'est pas la place où t'as trop le goût de vouloir faire ta base en fait. Il n'y a pas grand-chose autour. Il y a de l'eau, c'est sûr, mais il n'y a pas de nourriture. Bon, je pense qu'il va falloir. Il va falloir, quand je vais vraiment choisir une base pour se poser, il va falloir vraiment. Ça sera pas facile parce qu'il va y avoir plein de trucs à considérer. Il faut de l'eau proche, déjà, ce qui est très important. Il te faut une place où tu peux facilement te défendre, donc pas trop de carnot, etc. Mais il faut quand même pouvoir aller chercher sans faire 8 000 km si tu veux en avoir un. Etc. etc. Je viens d'avarier, je suis rendu en avoir beaucoup d'ailleurs. Mais voilà, c'est quand même pas mal de trucs qu'il y a à considérer, je trouve. D'ailleurs, un truc que je peux faire avec la selle de Parasaur. Non. Accéder à l'inventaire. Je peux mettre un skin. Je veux transférer, je veux juste transférer ça. Attends, équiper un parasaur avec. Skin de sel. Ouais, j'essaye de le mettre, et il veut pas. Là, il commence à faire jour. Il commence à faire jour tranquillement. Hop, je vais pas monter sur toi. Accéder à l'inventaire. Toi, t'as bien mangé. Normalement, il devrait. Voilà, nourriture 1600, c'est énorme. Il avait tous ses points en nourriture, faut croire. Peut-être aller chercher du bois, ça serait pas bête. Je sais juste pas vraiment où aller le chercher sur le coup sans laisser celui-là. Sans surveillance trop longtemps. Bon, c'est sûr, il est pas facile à accéder pour les autres dinos. Mais tout de même, voilà, on peut voir, ça remonte super vite. Je sais pas jusqu'à quel point ça a remonté. 235 à peu près jusqu'à 270. Voilà, 270. On va lui faire manger un autre direct. Hop. Alors, mange tranquillement. Je pense qu'il a largement assez de nourriture. Par contre, pour le reste. C'est pas un souci. Nous, on va manger un peu de nourriture. Voilà. B. On va remonter à bord de notre dino. Où est-ce qu'on va pouvoir trouver en fait plus de matériel? Il y a vraiment pas grand-chose par là. Il y a un peu de bois ici, mais c'est pas énorme. Ouais, vous avez froid, réchauffez-vous rapidement. Ok. Je remonte sur mon dino. Et toi, t'es mieux de pas te rapprocher, petit tricé. En tout cas, j'espère qu'il va pas aller essayer d'aider son ami tricé, celui qui est en train de se faire attraper là. Voilà, bien posé sur son petit rocher, pas de soucis. Au moins, j'ai pu l'atteindre, hein, parce que ça aurait été horrible. En fait, on le capture, mais à l'endroit où il se met, on peut pas l'atteindre. Donc, on se retrouve qu'on est, voilà. Il est là, prêt à être capturé. On a fait une tonne d'efforts pour l'avoir et au final, ben non. Voilà. C'est même pas qu'il est mort et qu'on a raté notre coup, c'est il s'est monté trop haut. Et ça serait horrible. Ok, de ce côté, il n'y a pas grand-chose. Il y a des petits arbres, hein, mais je pense que c'est là qu'on apparaît en fait au début. Peut-être de l'autre côté, je sais plus. Mais ouais, c'est vraiment la place du début, il n'y a vraiment pas grand-chose. Et tu peux pas taper les brontos parce qu'ils vont te tuer en deux coups. Tu peux pas taper tricé au début parce qu'ils vont te tuer aussi en deux coups. Donc tu te ramasses que la zone de départ ici est pas géniale. Voilà, en tout cas. On va se dépêcher à tout récupérer. Je vais manger quelques baies supplémentaires. Non, c'est pas ici. Nous, on continue tout droit. Histoire que je le perde pas quand même. Voilà. Hop. Parce que là, on peut pas l'atteindre. Il faut vraiment monter. Ici pour pouvoir l'atteindre, voilà. Donc là, il me reste plus que 4 narcos. Par contre, ça descend vite et on est à peine à la moitié. Donc peut-être que je vais en manquer.
Non, je veux ouais, accéder à l'inventaire. T'as quand même 36 narcopirées. C'est quand même pas pire. Malheureusement, je peux pas faire de mortier et pile, pilon ici. C'est même pas question en fait que je puisse le faire. On va se faire un arc. Des flèches. Une flèche. C'est largement assez. Je sais pas ce que c'est que je peux pas en faire d'autres. Non, ok, il va vraiment me manquer de branchage en fait. Les narcopirées, je vais le remettre dedans en fait. Accès à l'inventaire, je vais remettre les narcoberries, on sait jamais. Tout ce que j'ai pas besoin, en fait, il n'y a pas grand chose que j'ai pas besoin sur le coup. Donc je vais garder tout ça. L'arc, on va le mettre là. Ça, on va le réparer. Voilà. Alors j'ai un arc et une flèche. Voilà, vite. Voilà, on a notre flèche, tranquille. Prêt à se battre. Prêt à se battre, hein. On a une flèche. C'est tout ce qu'on a besoin. Allez, donne-moi du branchage. Ah, bien entendu, il commence à pleuvoir. Hop. Gentil petit. Allez, on court. On court, on court. Attends, j'ai encore peur des petits îlots. Niveau 15. Pas de soucis. Moi, c'est bien parce qu'ils augmentent rapidement de niveau. Les dinos en ce moment. En tout cas, beaucoup plus vite que moi, j'ai l'impression. Là, je peux faire quelques flèches. Je sais pas exactement combien je peux en faire, mais voilà. Voilà. J'ai pu faire quand même 14-15 flèches. Pas pire. Pour commencer, c'est pas pire du tout. Allez, forcer l'utilisation. Un autre, histoire que tu te réveilles pas. Et tranquillement, il avance, hein, mais c'est pas ultra rapide, on va dire. Je sais pas, il est à combien sa vie. Ouais, sa vie n'est pas vraiment bougée. Passer une tonne de temps ici, ça va être le temps d'arrêter d'ailleurs, que je retrouve là le bouton l'enregistrement.